Poirot avait démantelé Roboclebs et récupéré tous ses fragments de pierre de lune. Mais le roi ours n'avait pas l'intention de rester les pattes croisées. Alors que notre récit se dirige à grands pas vers son explosive conclusion, l'affreux tyran ourdit un plan. Un plan nommé Acte 6. Et salut tout le monde, c'est Mr. Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour, comme vient de dire le docteur Gregorius T. Oswald. Oui, j'ai réussi à le dire. On s'en fout, mais j'ai réussi à le dire. Donc on est à l'acte 6. Et c'est un acte plutôt sympa. Du fait que ce soit plus tourné Alice au Pays des Merveilles, moi j'ai l'impression. Après, si vous trouvez d'autres références à des films ou à des séries connues, allez-y, mais moi j'en trouve pas d'autres. Enfin bref, on va y aller tout de suite. Et c'est parti. Notre histoire continue. Bah on est un peu là pour ça, hein. Temps de chargement toujours long. Grâce à Poutaro, la pierre de lune brisée allait bientôt être entièrement reconstituée. Mm-hmm. Pendant ce temps, la sorcière Esma Potts, qui de toute évidence n'avait aucun scrupule à s'installer dans une maison qui n'était pas la sienne, était venue se planter devant le portrait de la déesse lunaire qui trônait dans le castel blanc et lui dit « Tu vas voir !» Bientôt, ça sera moi, la déesse. Oh, la vieille imitation pourrie. Et le sourire qui étirait ses lèvres répugnantes se changea en éclat de rire à faire froid dans le dos. Mm-hmm. En même temps, c'est une sorcière, hein, forcément. Oh, oh. Sage ! Sage ! Où es-tu ? Réapparaît tout de suite ! Oui, votre altesse, tout de suite. Comment as-tu pu échouer ? À toi, entre tous ! Tes erreurs m'ont fait perdre l'avantage. S'il parvient à s'emparer des autres fragments, alors qu'il détient Calibrus... Non, attendez. Je sais qui est responsable. Je sais qui tient les fils. Va, qui? Dis-moi. Mais là, il peut pas trop, là. Paris, la sorcière lunaire, Esma Potts. Potts? La vieille chouette qui travaille en cuisine? Mm-hmm. Elle s'est installée dans le castel blanc, c'est de là qu'elle quitte Kuta. Qu'est-ce qu'elle croit? Je les détruirai tous les deux. Le pantin et sa maîtresse. Mais comment, sire? Très simple. Grâce à l'horloge du royaume du temps. Décrochez, bande de tirs au flanc. Et toi, qu'est-ce que t'attends, hein? Rien, sire. Ça promet. Rien de tel qu'une bonne tasse d'Artemisia Copernicus pour égayer un après-midi. Certes, je ne sais si ce sont les douces saveurs herbacées ou le subtil arôme de biscuit, mais il est certain que ce breuvage réjouit le palais. Oh oui. Qui ose appeler à l'heure du thé? Quelle incorrection! Oh, excusez-moi, s'il vous plaît. Goûter perpétuel de coq et lapin, j'écoute. Pardon? Vous voulez la lune? Oh! Sur votre grand cœur, oui, bonjour! Pourquoi le poulet et toi n'avez pas encore conquis le royaume du temps? Cette horloge aurait dû être réparée il y a une éternité! Oh, c'est vrai, comme le temps passe! Cela ferait déjà 3 ans? Ils s'en foutent, ces deux-là. Le temps file! Et vous, vous étiez censé le rattraper! N'ayez crainte, votre grandeuresse, nous maîtrisons la situation! Tout à fait! On va vous faire ça en un demi-temps, 2/3 de mouvement! Au travail! Je veux que cette horloge soit remise en route sur le champ! Oulala! Ouais, ça va chauffer! Voilà, alors la ville du temps. En retard, je suis en retard. Ouais. Il a l'air louche, lui. On le suit. Cette phrase-là, elle vous rappelle rien. En retard, je suis en retard. Voilà, Alice au Pays des Merveilles. Au royaume du temps, chaque moment se déroule. Allez, merde, trop tôt. Un peu comme si... Merde. Bah du coup, je sais pas si on aura le... cours, Kotaro. Dans le royaume du temps, chaque moment se déroule à une vitesse inouïe. Un peu comme si... Vite. Tant et tant de choses à faire. Il peut pas s'arrêter une seconde. Sur la touche avant-soir. Je suis une étoile. Oui, je suis une étoile. Même
Même les immeubles qui bordaient la rue semblaient pris de frénésie et changeaient de taille à tout va, voilà, sous le coup d'un perpétuel mouvement tectonique. Ouais. Tout cela ne s'arrêterait qu'à l'heure du thé. Et trop tôt. Pas le temps pour le thé. Je suis en retard. Mais bah t'es en retard et moi je suis mort. Vous travaillez pour le roi ours ? Voilà. Oh non. Ouh. Pas le temps pour le thé. Je suis en retard. Oui, je sais que t'es en retard. Une minute, Jeannot. Vous travaillez pour le roi ours ? Merde, comment on fait les bombes ? Voilà. Et loupé. Prends ça. Ah, presque. Faut que je sois plus près. Yes. Voilà, tu me fais plus chier comme ça. Hop. Hey, je coupe les cartes. Oui. Oh, cessez de me distraire ou je perdrai la tête. Eh ben, si c'est pas une preuve, ça. Allez, il a un fragment de pierre de lune. Ouais, bah. J'aimerais t'y voir, toi. Ah, merde, je l'ai perdu. Dommage. Dommage, dommage. Bon, ça fera une âme en moins. C'est pas grave. Ah, salut lapin. Tiens, j'ai la tête d'horloge. Je crois que c'est la première fois que je l'ai. Hop. Eh bah, faut l'utiliser ici, ça tombe bien. Qu'est-ce qui se passe là ? Je veux vous sucer le sang ! Ah, c'est Dracula. Dracula de l'épisode d'avant. J'espérais provoquer. Ah ouais. Oh le nul. Tiens, joue avec ça. Voilà. Oh oui, ce passage est chiant. Non, normalement il y a un truc par là. Si je me gourre pas. Un petit truc à faire. Voilà. Normalement. Ouais, voilà. Faut ouvrir les trucs et il me balance des. Je dois conquérir le royaume du. Attends, j'arrive. Et merde. J'ai sauté trop tôt. Voilà, ce passage-là est chiant. Je dois conquérir oui, je le sais. Royaume du temps sans. Ouf. Bien joué. Oh, attention. Allez, allez, allez. Allez, tombe. Voilà. Sauvé. Même le ramenage de cheminée semblait complètement détraqué. Était-il arrivé hop au royaume du temps ? Ce monde, qui aurait dû être réglé comme une horloge, avait complètement perdu les pédales. Ah bah ça. Je t'aurai toi. Oh putain. Je dois réparer l'horloge. Ouf, ouh. Doucement, doucement. Ouais, ouais, bah doucement. Encore ! Oh non ! On est à court d'immeubles ! Pourquoi sauter de toi en toi quand on a des cartes à jouer ? Eh oui. C'est une bonne question. Tête de maison. Je sais pas si ça va me servir. Oh tiens, un ramoneur. D'accord. Ok, tous les ramoneurs sont là. Est-ce que ça me fait quelque chose de spécial avec les ramoneurs ? Non. Pas l'impression. Eh, je vais tomber. Comment apprécier pleinement les arômes d'un bon thé avec toute cette suite ? Ah bah tu peux pas. Il l'a dit, hein, Jeannot ? Oh, Jeannot lapin ! Hop. Ok. Alors là, c'est vrai, il y a avis de recherche, donc faut trouver celui-là. Et bah c'est celui-là, non ? Ouais, c'est ça. Et les autres me donnent rien, il me semble. Voilà. Ouf. Allez, allez, allez. À la demande générale, je vais traverser ce fragile pont de cartes sur un monocycle. Oh, il est trop fort. Hop. Une gigantesque cheminée se dressa soudain devant eux. Mm-hmm. Et le hérisson de ramonage était de la même trempe. L'expédition de Kutaro pour retrouver le général Lapin tournait au jeu de Maral géant sur les toits du royaume du temps. Voilà, Edin. Et toi, joue avec ça. Voilà. Dans toutes les villes, le paysage urbain évolue avec le temps. Bonjour madame. Que le passé disparaît,
que le présent se construit et que l'avenir s'imagine. Ouais. Rêves et aspirations deviennent les fondations sur lesquelles la vie est bâtie et rebâtie au nom du progrès. D'accord. Mais d'habitude, ça prend un peu plus de temps. Ah bah ça. Alors, j'ai quoi de beau ? La mort encore ? Bon. Hop. Oh la vache. Il y a quoi là ? Encore des mecs qui se courent après, j'ai l'impression. Bon. Le royaume du temps est également le paradis des astronomes amateurs. En effet, okay. Au même titre que prendre le thé, observer les étoiles était un passe-temps fort prisé. Mm-hmm. Je crois qu'il y a un niveau bonus ici, dans mes souvenirs. Niveau bonus, mais il me faut la tête d'étoile. Les étoiles filantes ne filaient pas tout à fait droit. Elles traversaient le ciel nocturne à toute allure pour s'arrêter net une fraction de seconde après. Bien sûr, ce phénomène facilitait grandement la formulation de souhaits. Avec un peu d'entraînement, on pouvait même en glisser plusieurs. Je vais ouvrir toutes les fenêtres, hein, ça va peut-être me donner quelque chose. Alors là, s'il vous plaît, la tête d'étoile. Les habitants de la ville étaient de grands romantiques qui, l'œil rivé à leur télescope, tentaient de compter les étoiles qui apparaissaient et disparaissaient. Tâche compliquée par les quantités de fumée que crachaient les cheminées. Hop. Oh, je vais perdre la tête pour ça, c'est sûr. Et ouais. J'en mettrai ma patte de lapin à couper. Ah bah non, c'est pas de chance ça. Chance, patte de lapin. Mais je sais, c'est nul. Oh. Comme tout dans le royaume du temps, l'agencement des maisons se modifie avec le temps pour s'adapter à leurs occupants. Plus la famille est grande, plus la maison compte de chambres. Oui, logique. Puis, quand les enfants s'en vont, les chambres s'en vont elles aussi. D'accord. Parce que si elles restaient sans enfants pour les occuper... Hein ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu sais pas, tu déprimes ? Non, en fait, j'ai pas envie de le savoir. Tu déprimes, mon grand. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais tu déprimes. Ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas grave, on t'en veut pas, hein. Bon, cette ascension qui n'en finit pas. Parce que c'est chiant, faut jongler avec les décors. On saute beaucoup plus haut quand ça redescend, bizarrement. Alors, hop. Ah ah, je t'ai eu, toi. D'accord, je peux faire bouger la vaisselle. Ouh. Eh, on va se calmer. Voilà. Hop. Bon, alors, par contre, je passe par où? Ah, d'accord, risqué. Par là. Ok, ok. Hop. Voilà. C'est déjà mieux. Ah, il y avait un truc, là. Y'a un truc, je vais remonter. Oh putain, y'a le lapin là qui m'attend. Coucou madame, t'as rien à me donner? Non? Bon, tant pis. Allez, la tête d'étoile, s'il te plaît. Yes! Voilà, maintenant faut que je la garde. Le royaume du temps possédait un vieil et célèbre observatoire, depuis lequel le temps était étroitement observé. Hop là, c'est parti. Et le calendrier établi. Quant aux étoiles, elles... Hé! Hey, vous êtes qui, vous? Des extraterrestres! Kutaro avait été enlevé par des petits hommes gris. Non, c'est pas ça la musique. Je voulais faire la musique de... Le 8 juillet 1940. Des gendarmes et les extraterrestres. Une soucoupe volante s'écrasa non loin de la ville de Roswell. Oh mon dieu. Mexique. L'armée américaine recueillit sur le site les cadavres de créatures extraterrestres sur lesquelles furent réalisées des autopsies. Ce fut la toute première rencontre du troisième type. À partir des années 60, des apparitions d'OVNI, des enlèvements, des mutilations de bétail et d'autres phénomènes étranges liés aux petits hommes gris commencèrent à être signalés. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons l'insigne honneur d'approcher ces curieuses et fascinantes créatures. Ouais, enfin, je sais pas, ouais. Roswell, c'est juste le canular du siècle. Il y a genre aucune preuve scientifique. Et puis franchement, leur tête là, trop pas crédible. Je vais vous dire, les seuls endroits de la galaxie qui peuvent accueillir la vie, c'est la Terre, la Lune et le Soleil. Point barre.
Petite vache. La petite vache. Je saute de vache en vache. Faut le faire, ça. C'est vache. Pff, c'était nul, ouais. Hop. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Et voilà. Oh, ça va être hard ici. Et merde, je les ai loupés. Voilà. Là, je suis sûr que c'est les trois derniers qui me manquent en plus. Je suis trop haut, je suis bon. Ah putain, je suis trop haut. Faut que je m'arrête avant. Pas le choix, faut que je m'arrête avant. Et je peux pas essayer de choper un masque d'extraterrestre. Enfin, une tête d'extraterrestre plutôt. Ce serait sympathique. Une tête de vache. Non, pas de tête de vache. Eh bah tant pis. Oh putain, ouais d'accord, là je saute sur les pies, ok. Ok. Merde, il m'en manque un. Oh la vache. Allez d'accord, il joue comme ça lui. Oh la vache. Ok. Ah c'est fini. Dommage. Dommage, dommage, j'aurais bien voulu aller jusqu'au bout. Bon c'est pas grave, allez hop. Allez dégage. Un problème, monsieur Lapin ? Une anomalie gravito-magnétique temporo-spatiale. Ouais ? Oui. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai tout compris. Puis à l'heure, en plus. Un, deux, trois, et voilà ! Wow ! Oh ! Sautons dans le trou de verre et retrouvons le joyeux passé. Mm-hmm. Il est complètement dingo, ce Jeannot. Le laisse pas filer. Non, bah t'inquiète, je vais y aller. Et là, par contre, c'est plutôt pas mal comme niveau. J'avoue que là... Le déroulement du temps était un peu étrange dans ce monde, mais les règles particulières que suivait le général Lapin l'aidaient au sens propre à passer le temps. Mmh. Hein ? Pourquoi est-ce que vous me suivez ? Bah parce qu'on t'aime bien. Idiot. On va vous taper dessus et récupérer votre fragment de pierre de lune. Vite, suis ce lapin. Une carte de Picarina. Ok. Je suppose que... Voilà, je peux passer par le haut. J'ai l'impression d'être coiffé comme l'as de pique. Oh. Je dirais que c'est plutôt un atout. Mm-hmm. Oh, les jeux de mots, quoi. Jeu de mots à chaque fois. La partie ne commencerait pas tant que Kutaro n'aurait pas coupé le jeu. Eh ben, je vais te le couper, ton jeu. Hop. Voilà. Grain après grain, le sable s'amoncelait dans le sablier. Hop. C'était le futur qui s'écoulait, devenant peu à peu... le passé. Ah, il y a un truc à faire là. Ok. Il reste une carte. Ok, encore un Picarina. Il y a sûrement un truc à faire en récupérant toutes les cartes de Picarina, je suppose. Waouh ! Va falloir sortir ton Joker ! Wow, 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 wow. Ah, ces cartes à la noix sont dans le passage ! L'attente. On se calme. Fait partie du voilà. Jeu. Mais les bons joueurs savent merde. Utiliser ce temps pour préparer le suivant. Oh la vache. Ok, le sablier il monte. Enfin, le sable monte. Donc je suis dans un sablier carrément. Ah ouais. Donc j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Oui, mais j'étais jamais tombé avant. Mais ça, c'était avant. Ah ouais, purée, faut que je me grouille. Oh, la vache, la vache, la vache, la vache. Hop. Voilà. Quoi ? Encore vous ? Ah bah ouais. Je n'ai pas le temps pour ces enfantillages. Ah moi là j'ai pas le temps non plus. À remonter, moi. Un royaume à conquérir. Non. Hey, revenez là. Oh putain. Arrêtez de vous débiner et affrontez Kutaro. Monsieur Gouré. Je vais faire une roulade pour aller plus vite, mais je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait la roulade, c'est pas grave. Hop. Tac. Voilà, une nouvelle tête. Voilà. Toi aussi, tu dégages.
Hop, alors là, je suppose qu'il faut que je passe. Et ici. Ça fait quoi? Ok. Bon, bah, il en manque plus qu'une. J'ai l'impression. Hop. Non, hop, je passe, c'est bon. Allez, allez, allez. Oh là, les cartes Joker, là, j'aime pas. Notre héros découvrit que tout le monde ne coupait pas les cartes. Certains les sciaient. Mm-hmm. Non, mais n'importe quoi, là. Voilà. Voilà, c'est bon. On va pouvoir monter un peu. Parce que le sable, là, ça commence à me stresser. Toutes ces cartes, l'enjeu était grand. Ah bah je sais pas ce qu'il y a le dernier truc. C'est ce qui s'appelle jouer carte sur carte. Voilà. C'est notre année là. Ah, je sais mais il y en a encore un là. Eh hey, j'ai les têtes. J'ai la tête de carte. Yeah. Wouhou. Bon celle-là je la garde parce qu'on sait jamais. J'aurais peut-être besoin contre le boss. Ça peut déclencher un truc spécial. On ne sait jamais. Donc là, déjà, il y a son vélo. Merde. Vous voulez bien cesser de m'importuner? Non. Je dois revenir 3 ans en arrière si je veux réparer cette maudite horloge. Mmh. Bah, je te laisserai pas faire, mon grand. Je ne te laisserai pas faire. Et surtout quand il y en a 5 et que ce sont des pics. Oui, d'accord. C'est de la triche. Kutaro sauta par-dessus les cartes truquées et monta encore d'un niveau. Ah bah là, ouais, pour monter. Vite, je vais monter. C'est pas le moment de te coucher. Oh putain, mais les jeux de mots, quoi. On n'est pas au poker, je ne me couche pas. Voilà. Alors. Alors, ce boss-là est très drôle, par contre. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Le spectacle de magie va bientôt commencer. Oui, d'abord, youpi. Retournez youpi. Une carte, n'importe laquelle. Ouais, non. Ah ben, moi, je vais retourner la carte qui est là-bas. Hein. Ah, celle-là, je vais la retourner. À présent, merde, trop tard. Coupons le paquet. Non, je coupe pas. Mieux c'est de rester là, voilà. Attendre que ça monte tout en haut. Oh, oh, il va se calmer lui. Encore une fois. Non. Putain, elle est où? Elle est là-bas. Un petit coup sur ce haut de forme tout à fait ordinaire. Et... il faut combattre la magie par la magie. Yep. Carte pour carte. Mes cartes. Eh ben, je te les découpe tes cartes. Eh bah si, regarde, hop. Ah ah, j'ai jamais eu ça. Je découvre en même temps que vous, là. Ok, qu'est-ce qu'il me fait? Ouh, ça fait mal. Et maintenant? Non, pas ça. Où est-il? Ah ok, je l'ai fini. Alors, donc normalement, avant, c'était... enfin, normalement, c'est en 3 phases. Il y a d'abord... enfin, il y a des grosses caisses en haut. Il fallait couper les cordes. Et les caisses, tu tombes dessus. Et à chaque fois, dans les caisses, il y a un numéro de magie qui le fait. Mais ça rate. Donc, genre, un éléphant, une bimbo lapin qui lui met une gifle. Des trucs comme ça. Bon, on a vu la carte. C'était un peu moins drôle, mais comme je l'avais jamais fait, au moins, c'est fait. Serais-je à court de tour ? Bah oui. Vous ne me laissez pas le choix. Oula. Loupé. Tu vas disparaître, vermisseau. Eh ben non. Mon chapeau magique. Ah voilà. L'éléphant. Ah, ça t'apprendra à essayer de nous jouer des tours. Et hop, un autre fragment dans la poche. Yeah. La pierre de lune sera bien.
peuple entière. Entièrement à moi. Et quand je serai pièce, ce palais et la lune tout entière obéiront à mes moindres désirs. Misère. La sorcière a complètement perdu les pédales. Ouais, j'avoue. Ah, ma gironde, demoiselle, est-ce ma pote, de te voir te trébucher comme ça, ça me donne des frissons. Il n'y a pas qu'à toi. Kotaro, trouve les derniers fragments, élimine cet usurpateur et offre-moi le trône. Bon, et ben voilà. Bon, ça fait quoi, ouais, 25 minutes qu'on joue. Enfin, que je joue. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Avec l'aide et on se retrouvera Russes, très bientôt pour la suite. Et sauver les âmes de oui, quelques chanceux, parce que malheureusement, il m'en manque un. Les âmes libérées, enfin, je crois. Déjà en route pour la terre. Je crois qu'il m'en manque un. Je suis pas sûr. Allez, eh ben on se retrouvera prochainement pour la suite de Pupeter, toujours dans le monde d'Alice. Et sur ce, eh ben moi je vous dis à tous et à toutes, portez-vous bien. Et puis à la prochaine.